Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo décoration. Cette vidéo est en collaboration avec Shein, c'est-à-dire que tous les articles que je vais vous présenter là, je les ai reçus gratuitement. Je tiens à préciser que ce n'est pas parce que j'ai reçu les articles gratuitement que je vais donner un avis favorable sur tous. L'idée de cette vidéo était de faire un attente versus réalité, ce que j'ai vu sur le site, ce que j'ai sélectionné sur le site et ce que j'ai reçu, voir s'il y a une différence ou pas, si les tailles sont les bonnes, etc. Voilà, pour me faire un avis global sur ce que peut présenter ce site en termes de décoration. Allez, on commence tout de suite. J'ai juste ouvert les cartons, je n'ai pas du tout déballé les produits, donc je veux vraiment avoir ce côté où je découvre en même temps que vous. Je suis désolée par avance pour la luminosité, le temps n'est pas stable du tout, un coup il pleut, un coup il fait beau, enfin c'est un vrai temps d'automne, donc il risque d'y avoir des variations de lumière, j'en suis désolée, mais quoi qu'il arrive, vous verrez quand même bien les articles. Donc on va commencer tout de suite, il faut savoir que j'ai pris des produits qui sont très fragiles exprès pour voir un petit peu si ça voyageait dans des conditions adéquates et si ça arrivait entier à la maison. Donc on croise les doigts et voir si ce que j'ai commandé c'est toujours entier ou pas. Allez, c'est parti. Alors en premier, c'est un cache-pot comme ça en canage, il est en bois, il est comme ça à l'intérieur. Et il y a des trois petits pieds sur le dessous. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise parce que je m'attendais à ce qu'il soit abîmé parce que le canage, ça reste quand même quelque chose d'assez fragile. Et ben, c'est pas le cas. Il est beau comme tout. La taille est comme je le pensais. Ça peut arriver que des fois, ce soit un peu plus petit. Mais non, c'est vraiment une bonne taille pour une plante avec un pot assez gros. Donc ça, pour ce premier article par rapport à ce que j'ai vu sur le site et ce que j'ai reçu, et bien écoutez, là le contrat est rempli, donc ça je valide totalement ce cache-pot en canage. Alors là j'ai un petit peu peur parce que le carton est abîmé. Alors là on est sur une lampe qui est un plafonnier comme ça, donc vous avez la partie là qu'on met au plafond et ensuite on accroche l'abat-jour. On peut le faire de deux autres manières, on peut très bien mettre ça si on a déjà un dispositif existant et qu'on veut le mettre dessus. Elle est super jolie, donc ça c'est en bois, là on est sur pareil de la corde, du métal et tout ça. Le truc c'est que malheureusement lors de l'envoi elle a subi un petit coup, donc je le voyais sur le carton, ce qui fait qu'elle est légèrement enfoncée ici. Alors mon mari va réussir à le bricoler, ça j'en suis certaine, à redresser un petit peu la lampe. Donc là vous voyez la fibre est un peu plus leste à ce niveau là ici, elle est plus tirée, mais en tout cas je trouve ça super joli. Donc dans une salle de bain ou autre, hein, c'est super chouette, j'aime beaucoup, c'est très qualitatif, il n'y a rien à dire. Bon, les petites vis, on ne mettra peut-être pas forcément celle-ci, mais en tout cas, je trouve que s'il n'avait pas été abîmé, c'était nickel. Bon là, ça se redresse, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, oui, je trouve que cette pièce est super chouette, qu'elle est d'excellente qualité. Donc là, encore une fois, par rapport à ce que j'ai vu sur la photo, eh bien écoutez, je valide. Encore une fois, nous sommes sur une lampe. Alors là, je suis surprise parce que je m'attendais juste à recevoir l'abat-jour. Et là, il y a tout. Il y a la totalité, il y a le fil, il y a le système électrique qui est là. Enfin, il y a vraiment tout. Et la surprise aussi, c'est qu'il y a même l'ampoule qui est fournie à l'intérieur. Donc là, franchement, ouais, excellente surprise. Donc vous voyez, c'est une ampoule comme ça, filament. Et pareil que pour la première, il y avait les vis qui étaient fournies avec. Et bien là, c'est pareil. Hein. Là, franchement, je suis agréablement surprise. L'abat-jour est de la taille que je pensais, avec assez de fil, avec le système électrique. Donc là, c'est pareil. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'est pas du tout abîmé, il est beau. Ouais, il est chouette, donc là aussi je valide totalement. Là normalement c'est une tasse, ou plutôt un verre, oui c'est vrai, un verre, je fasse gaffe. Oh c'est joli. C'est un verre comme ça, et en fait à l'intérieur vous avez une tête de mort. Et le verre est super chouette. Donc ça j'ai pris ça pour mon mari, alors pour Halloween c'est nickel. Et en fait il est creux et vous avez la tête qui est là. Et je trouve ça
super chouette, super sympa. Le verre est quand même assez épais ici. Après, faut, à mon avis, il va falloir faire gaffe, hein, va falloir éviter tout ce qui est de la vaisselle, de laver à la main, enfin faire attention parce que ça reste fragile, mais en tout cas, chouette comme tout. Alors je l'imaginais un tout petit peu plus petit et en fait il est grand. Alors mon mari va certainement l'apprécier, même sûrement avec un bon verre de whisky. Et pour le verre comme ça, je valide totalement. Je m'attendais vraiment à ça. Là, je pense que ça va pas le faire. Alors, on est sur un support pour mettre au mur, parce que je vous montrerai, mais il y a des panières. Et c'est pour mettre, en fait, pour suspendre les panières. Sauf que le système d'attache, je pensais que c'était, vous savez, creusé à l'intérieur avec une petite vis. Pas du tout, ils ont mis une colle avec. Donc, la colle sur le mur, je suis pas super fan. Donc ça, va falloir trouver une autre solution. Mais je ne m'attendais pas réellement à ça. Sinon, c'est mignon, hein, c'est en bois et tout. Donc je pense que on va quand même l'utiliser. Mais soit va falloir percer, soit creuser l'intérieur, mettre quelque chose dessus. Enfin, pour pouvoir mettre une vis dedans, voilà, pour que ça tienne. Parce qu'avec ça, ça va... Non, c'est même pas la peine. Mais voilà, donc ça je ne valide pas. Je suis déçue, je ne voyais pas ce système d'attache, système de colle comme ça. Pour moi, ça c'est un flop. Là, on arrive sur les paniers. Alors, le premier, c'est un panier rectangulaire. Il est chouette comme tout. Ça, je veux l'attacher justement au mur pour que les enfants puissent mettre des petites choses dedans, des jouets ou sur le côté de la télé pour y poser la télécommande, des petites choses, mais accrochées au mur. Donc, si vous voulez, dans l'idée... c'était de mettre des choses un peu comme ça pour maintenir les panières, enfin peut-être pas celle-là, mais dans l'idée c'était ça, vous voyez. Donc c'est pas possible de mettre de la colle derrière, mais je vais quand même trouver des jolis petits crochets. Ça c'est nickel, ou même dans l'entrée pour mettre tout ce qui est clé d'ailleurs sous le miroir, ça pourrait être pas mal. Ouais, donc ça, je valide totalement cette panière, et j'en ai d'autres dans d'autres formes. Ça, c'est pareil, c'est pour mettre dans la chambre des enfants pour qu'ils puissent poser des petites choses dedans. Comptez sur moi pour couper au montage le bruit de tous ces plastiques et de tous ces scotch et cartons. Alors, les deux panières qui sont mignonnes comme tout, assorties à celle-ci, assorties au luminaire, voilà. Donc ça, c'est juste parfait. Et vous voyez, dans l'idée, c'est vraiment avec ces panières-là que j'avais prévu ça. Voilà, pour les maintenir comme ça au mur, on trouvera autre chose. Mais en tous les cas, ça c'est super mignon, on peut les mettre en superposition, ou même, vous savez, sur les échelles de salle de bain avec un crochet, ou mettre une plante dedans. Enfin, ça je trouve que c'est des petites choses comme ça à avoir un peu partout. On peut y glisser des choses tout en restant rangé et en restant joli et déco. On peut rajouter des petits rubans dessus, des choses différentes. Enfin voilà, donc ça, je valide totalement. Alors, autre panier, celui-ci en raffia tissu. Mignon comme tout. Donc toujours dans le même esprit de laisser ça. Alors, soit on peut le poser comme ça, soit il y a le crochet qui est là. Et c'est mignon comme tout. Alors il y a une étiquette dessus où il y a écrit Animal Story. Et là vous avez un tissu étoilé à l'intérieur. Donc ça ira très certainement dans la chambre d'Antoine. Super mignon. Et ça, c'est pareil, je valide. Ouh, ça c'est joli. Alors là on est sur quelque chose qui est vraiment mignon comme tout. Donc là c'est en céramique et là en bois. Regardez ça, c'est trop joli. Alors je m'attendais à cette taille parce que j'avais bien regardé les mesures. Et on peut y mettre plein de choses. Alors on peut y mettre une petite plante, on peut y mettre ses bijoux, on peut le mettre dans une salle de bain, on peut le mettre en présentation dans le salon, partout, partout, partout. Moi je vais lui trouver une place directe, c'est trop... Franchement, c'est canon. Alors les photos étaient chouettes comme ça, donc je m'attendais à recevoir ça, mais je pensais pas que ça allait être... ça va être comme ça, aussi bien, voilà. Donc je valide totalement. Et c'est très 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 bien emballé. Ça, c'est arrivé sans casse, parce que ça aurait pu être abîmé. Mais non, donc ça, je valide totalement. Encore un objet hyper bien emballé. Là, c'est vraiment trop mignon. Ce sont deux assiettes comme ça, en forme de toast.
Et dessus, en relief, il est écrit « Good day ». C'est mignon, mais mignon comme tout. Je vais prendre ça le matin pour mettre les tartines grillées de mes enfants. Mais c'est trop chouette. Je crois que c'est un de mes coups de cœur de cette commande pour l'instant, de ce que j'en ai vu. Enfin, même s'il y a quand même pas mal de choses hyper mignonnes. Mais ça, honnêtement, j'adore. Je suis fan. Je trouve ça vraiment trop mignon, trop chou. C'est canon comme tout. Donc ça, je valide totalement. Oula. Alors là, je suis carrément fan. Donc c'est une cloche. Je parle d'elle, hein. Pas moi. Non mais, je dis ça parce que des fois, tout le monde n'est pas très gentil. Voilà. Donc cette cloche là, qui est une cloche à gâteau comme ça, elle est super chouette. Bon là, faut que je la nettoie parce qu'elle sort du polystyrène. Donc il y a quelques traces, mais on va la rendre beaucoup plus brillante. J'adore tout ce qui est cloche, choses pour décorer la table, pour mettre un peu en lumière ce qu'on a pu, les gâteaux qu'on peut faire, les cupcakes qu'on a fait. J'ai déjà une cloche comme ça que j'avais eue il y a quelques années, qui a un pied, que j'avais eu à Noël, que j'aime beaucoup. Et écoutez, celle-ci, c'est un peu le même système, hein, on met le gâteau dedans, etc. Sauf que celle-ci, c'est sur un plateau en bois, et il y a un avantage, voilà, qui n'est pas négligé, c'est qu'il y a une petite roue en dessous. Donc on peut tourner comme ça le gâteau, mais c'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop chouette. Donc ça peut servir bien entendu pour des gâteaux quand on reçoit, pour faire des jolies présentations de gâteaux apéro, ou même simplement utiliser ça, voilà. Ou même après pour des décos de centre de table, j'imaginerais bien plein de petites fleurs avec des bougies, puis qu'on ouvre comme ça au moment d'allumer les bougies. Pourquoi pas le garder dans le centre de table et puis faire une déco adaptée à chaque saison, pourquoi pas. Mais bon, je vais vouloir l'utiliser quand même pour stocker des gâteaux. En tout cas, c'est trop mignon. Donc ça, je valide totalement. Il y a plusieurs tailles. Ça, c'est la plus grosse que j'ai prise. Donc vous voyez, elle est déjà quand même pas mal grande. Pourquoi pas voir pour des tailles plus petites. Ça peut être sympa pour faire des présentations. Enfin voilà. En tout cas, celle-ci, je valide totalement. Elle est nickel. Elle est vraiment ce à quoi je m'attendais. Et je vois bien déjà mettre des petits rubans comme ça. Enfin voilà, vous l'aurez compris. Elle n'est même pas arrivée qu'elle est déjà adoptée. Donc ça, je valide totalement. Là, on est sur un dessus de lit. Je l'ai pris en 269 sur 243. Donc c'est du 100% polyester. Il est comme ça. Donc il y a des espèces de petits chevrons comme ça. Là. Donc il est quand même plus épais que celui que je possède actuellement. Bien grand, hein, parce que nous on a un lit grande taille. Donc écoutez, oui, je m'attendais à ça. Donc ça, je mets toujours un couvre-lit en fait sur les couettes. Ça évite d'avoir des couettes à chaque fois dans le même thème que la chambre. Donc en général, j'ai des couettes et je mets ça par-dessus. Ça fait chouette avec des coussins et puis une jetée de lit. Et c'est parfait au niveau de la chambre. J'espère que ça va bien tomber. Donc je vais le laver, je l'installerai. Je vous mettrai des photos pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais ça, c'est pareil, je valide. Là, on arrive sur deux autres produits qui n'ont rien à voir avec de la déco, tout simplement parce qu'il me restait des choses à commander et que j'avais commandé ce que je voulais en déco. Donc j'ai complété avec ces deux articles-là. Alors il y a un bijou et une paire de chaussures que je vais vous montrer tout de suite. Déjà, la paire de boucles d'oreilles est livrée dans une boîte comme ça. Et c'est rigolo parce qu'on retrouve comme ça, c'est en plastique comme ça de chaque côté. Et ça s'ouvre. Là. Je connaissais pas ce style de fermeture. Et alors c'est des boucles d'oreilles toutes simples, en argent normalement. Elles sont comme ça, elles sont toutes simples. Il y a deux rangées de strass, elles sont mignonnes comme tout. Très très simples, mais vraiment mignonnes. Je vais les porter, je vous mettrai une annotation dans la barre d'infos pour vous dire si elles ont tenu ou pas, parce que moi je me lave avec mes bijoux, je dors avec mes bijoux, je garde mes bijoux, et vous dire, vous mettre une petite annotation au fil du temps pour vous dire si oui ou non elles ont bougé, si elles sont bien ou pas. Je me souviens, c'était vraiment pas cher du tout, elles étaient dans les 7-8 euros, et je dois avouer qu'elles sont vraiment mignonnes comme tout. Donc là c'est pareil, forcément je valide. Pour la paire de chaussures, donc c'est emballé comme ça, toutes les deux dans des petits sachets séparés. Alors on est sur une bottine qui est comme ça, mais écoutez, c'est plutôt pas mal.
Là, alors j'ai repris quelque chose que je portais quand j'étais jeune. Et vous savez, ces bottines un peu quand même assez mastoc. Et on a la fermeture éclair qui est là. Donc il y a pas mal de choses dedans quand même. Écoutez, je vais les essayer. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, bon, on va tester et puis je vous dirai, je vous mettrai une annotation pareil pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc normalement c'est du 38, donc j'ai pris ma taille habituelle. Mais ouais, bah écoutez, on va essayer ça. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai reçu. Alors j'ai pas mal de coups de cœur quand même, il faut l'avouer, notamment sur ces petites assiettes comme ça, gouttes d'ail, ces assiettes à toast, ça, voilà, ça c'est un réel coup de cœur. Ça aussi, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Ensuite, on passera sur cette cloche à gâteau que je trouve jolie comme tout. Pour ce qui est des petits paniers, bah là c'est pareil, hein, y a rien à dire, ils sont mignons, ils sont parfaits, ils sont comme je les imaginais, donc ça je valide totalement. Ensuite, pour ce qui est des luminaires, écoutez, là c'est pareil, hein, j'ai rien à dire, ils sont chouettes. Alors il y en a un qui est arrivé abîmé. Là, vu ce que c'est, mon mari va essayer de le remettre. Si jamais je n'y arrive pas, je les contacterai parce qu'il y a quand même un service après-vente aussi. Donc je pense que j'en recevrai un autre ou pas. Mais bon, je vais quand même garder celui-ci parce qu'il est, à mon avis réparable. Ça aussi, c'est une surprise à laquelle je ne m'attendais pas parce que honnêtement, je ne l'imaginais pas aussi bien. Voilà, aussi bien fait, aussi bien fini. Je pensais pas, vu la photo, je me suis dit la photo est un peu enjolivée. En fait, pas du tout. De ce que j'ai reçu, je n'ai aucune déception. Ça aussi, c'est mignon comme tout, quoi. J'aurais eu ça à l'époque de Martin ou Antoine quand j'ai refait leur chambre. J'aurais été contente d'en mettre quelques-uns au mur ou même quand ils étaient plus petits. Et à la limite, la déception, c'est celui-ci. J'ai peut-être pas assez bien regardé. Après, je me doute que mon mari va réussir à le bricoler. Voilà, je vais quand même le garder. On va trouver une solution pour ce petit truc-là. Mais voilà, dans l'ensemble, dans la globalité, moi je suis contente de cette commande. Il y a des jolies choses, comme je vous le dis, il y a aussi des gros coups de cœur. Là, c'est pareil pour ça, mon mari va être super content. Parce que lui, il aime bien tout ce qui est tête de mort et tout ça. Donc lui, il va être ravi. Alors ce que je ferai, comme je vous l'ai déjà dit, en plus, je me répète, mais je vous mettrai quelques close-up avec toutes les choses installées pour que vous puissiez les voir. Mais globalement, je suis contente de cette sélection. Et voilà. Donc dans la barre d'infos, vous avez tous les produits qui sont listés. Si jamais vous le souhaitez, il y a un code promo qui est valable, qui vous donne le droit à des réductions, etc. Je vous laisserai aller checker. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao !